Bonjour. Bonjour! Vous allez bien? Oui? Oui, Tant mieux, aussi. nous aussi. C'est le week-end. Ouais. Allez, un petit retour de course de. Non, un haul. Un haul, pardon. C'est pas un retour de course alimentaire. Cash Price et Nose. J'y suis avec Cash Price et Nose. Et Nose, tout en même temps. On a fait Action, mais il sera après. Après. Ah ouais, on vous donne du suspense. Et on va faire aussi la vidéo des 8000 bientôt. Allez, à tout de suite. Voilà, et on va vous dire ce que c'est exactement dans chaque magasin parce que vous allez perdre aussi. Oh, on s'en fiche. Ça, c'est Fifi? Cash Price. C'est Cash Price. Donc, on a encore repris des boîtes de œufs. Parce qu'on a des œufs quand même. Elles en font moins, mais il y a encore des œufs à manger. Donc, voilà. Hein. On va enlever les boîtes en carton. Ouais, parce que dans le frigo, ça me saoule. J'en ai marre, ça fait dégueulasse, j'aime pas ça. C'est depuis qu'on a regardé le truc sur TikTok, là, les Américaines, parce que les Américaines, c'est pas les Françaises. À moins qu'il y en ait des... Si, il y en a en France qui le font aussi. Il y en a. Mais elles rangent leur frigo, mais à une perfection, le truc, il est détaillé, quoi. Mais elles mangent toujours la même chose, t'as vu? Ah bah après, chacun ses goûts. Toujours les mêmes. Bah, vaut mieux pas que vous les regardiez, parce que sinon, vous allez dire, ah bah déjà que eux, c'était déjà pompon, alors elles, c'est super pompon, quoi. Enfin, bref. Voilà. On va changer de côté, la table. On a un mode Noël. Enfin, un mode Noël. On n'a rien fait en déco. Mais nous, quand on commence à préparer la table dans l'autre sens, c'est que ça pue Noël. Enfin, c'est que ça sent bon. Ça va sentir bien. Qu'est-ce que t'as dit? Ça va sentir bien. Bon, bientôt. Oh là là, c'est une alcoolique, c'était bonne femme. J'ai bu un coup de sirop, le café. Oh là là. Donc, du coup, on en va racheter encore. J'en ai repris deux. Exprès. Donc tu mets 14 œufs dedans. Parce que tous ceux. 14 œufs, oui, parce qu'il va dire, ah, le casseau, si c'est pas parlé. Tu dis ça, hein, et puis je m'excuse encore de ce que j'ai dit. Voilà. Ouais, l'autre fois. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on n'a pas le choix, donc j'ai de racheter ça, et puis moi je veux plus de carton. Alors elles sont bien, sauf que le couvercle, il tient pas. Hein. Voilà. C'est pas étanche. Si, c'est bien. Ça, si ça garde conservation, il y a pas de souci là-dessus. Ouais. Non, c'est bien, mais vous voyez, c'est pas étanche. Voilà. S'il est mal mis, il va se barrer. Voilà. Par contre, vous pouvez les mettre les uns sur les autres. Tu peux les superposer, en fait. Voilà, chercher une remercie. Non, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude que tu parles mal. Donc, oui, c'est ça. C'est pas grave. Donc, du coup, ça coûte... Donc, ça, c'est Clash Price, je reprécise. 4,49. Hein. L'unité, je précise. Ouais, c'est vachement bien. Donc, comme madame vous disait, on peut les poser l'un sur l'autre. Ça glisse. Non, vous faites gaffe, ça glisse. Après, je sais plus, mais je crois qu'à Action, il y a un truc antidérapant qu'on peut badigeonner à la bombe pour éviter que ça glisse. Dans le frigo, non, je ne le mettrai pas. Ça va sortir caoutchouc toute la journée. Ah, peut-être pas. Par contre, j'en ai vu dans AliExpress des carrés où on tire les tiroirs seulement. Ça, je vais en prendre, mais par contre, c'est 20 balles. Hein. Donc, Ouais. Voilà. Faut pas qu'ils soient cassés. Oui, je voudrais pas qu'ils soient cassés à la livraison. Donc, on verra. Je vais tester. Ceux qui sont dans le frigo, ça fait déjà un moment qu'ils sont dans le frigo. Et le problème, c'est qu'on les cumule, Et on n'arrive pas à manger tous les œufs qu'on a, en fait. On va dire, bah, vendez-les. Oui. À qui? Voilà. Bah, après, ça nous fait une annonce sur Facebook. Je voulais donner à mon frère, mais mon frère ne mange pas. Père Richard, il en mange pas. Ton père, il n'en mange pas parce que Vivien, il n'en donne pas. Donc voilà. Puis après, dans nos alentours, on ne connaît pas grand monde. On est beaucoup, on est 3000 habitants. Sociable, hein. Mais voilà. Mais, on dit juste bonjour, au revoir. Voilà. Après, je pense que si on met une annonce, ça partira vite. Oui. Oui, mais bon, pour le moment, pour ceux qui habitent sur Esternay qui sont intéressés, je vous le dis d'avance. Prenez vos plateaux d'œufs hein, parce que nous, on n'a pas de plateau pour ça. Hein. Voilà. Allez, on y va, ça c'était Cash Price. 4,49, je reprécise l'unité. Voilà. Cash Price. Donc ça fait 28 œufs et ils vont être vite remplis, je vous le garantis. Et voilà, en ce moment ça va encore ralentir. Il y a quoi d'autre chez Cash Price? Ah, t'as les trucs. J'ai ça. Donc madame m'a fait racheter ça. Vous savez que ça normalement c'est pour une déco de Noël. Vous mettez ça pour refaire votre crèche. Oui, ça va bien aussi pour la crèche. Mais sinon, elle veut faire un truc spécial pour son truc de party life. Elle veut faire des belles photos. Donc ça, c'est 3,99€. Alors, je vous donne les dimensions pour ceux que ça intéresse. Un tapis de neige. Voilà, c'est un tapis de neige. Pailleté, il y a des paillettes. Donc, avec paillettes argentées, 200 par 91, 100% polyester. Donc voilà. Bien, alors, voilà, on peut les découper, vous faites ce que vous voulez avec. Ouais. Pour ceux qui veulent faire autre chose comme déco, vous voyez ce que vous avez à faire. Au bout, vous entendez, c'est la cheminée. Ah, spoil pas tout de suite. Donc voilà, donc normalement, ça va aller en dessous une porte, parce que c'est un cache-vent en dessous porte. Comment on appelle ça, toi? Un dessous-porte.
sous-porte, je crois que c'est marqué. Ouais, sous-porte, je sais plus. Cache-porte, ou je sais pas comment dire ça. Je vais l'arracher, ça a l'air plus vite. Lunettes. Un bas de porte, c'est tout ce que c'est marqué. Donc c'est un coupe-vent, hein, si vous voulez. Si vous avez des courants d'air au niveau de votre bas de porte, ben vous mettez ça au sol. Quand il fait très froid, c'est pratique quand même. Donc ça, ça coûte 9,99€, je vous le dis d'avance. Hein. Donc il est lavable. Oui. Il est beau, hein. Et attendez, attention, s'il y a un truc supplémentaire, il y a une lumière. Il y a une lumière, parce que moi j'en suis pas une. Il y avait plusieurs sortes, il y avait trois sortes. J'ai préféré celui-là quand même, parce que les autres... C'était joli, le bleu aussi. Le blanc était beau aussi, mais sans le plus. Le blanc était beau aussi. Je voilà, lumière. Il s'est allumé. Hein. Oui. Vous voyez, ça fait de la fausse flamme. Vrai, ouais. Joli. Hein. C'est trop bien. 9,99€. J'ai peur de mettre ça par terre, je mettrais bien ça au-dessus de notre cheminée, ouais, enfin du radiateur. Du radiateur ou des, ouais, des canapés derrière les canapés. Ouais, parce que ça... Ça, les chiens vont le déchiqueter. Déchiqueter et puis il va être sale. Voilà, il va être sale en moins de deux avec les poils. Malgré qu'on fasse le ménage assez régulièrement, je vous le dis d'avance, avant qu'on emploie des réprimandes. Mais il y a 5 chiens et 3 chats. Donc voilà. Donc c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pratique ça quand même. Hein. Donc voilà, 9,99€, franchement, il était beau. Donc pour ceux que ça intéresse, qu'ils n'ont pas d'animaux, qu'ils n'ont pas de gosses et que c'est tout le temps propre chez eux, ben voilà, vous pouvez mettre ça en dépôt. Ouais, ou vous pouvez mettre n'importe où, hein, après. Même dans une pièce où vous voulez pas de la chambre ou autre. En plus, c'est tout doux. Ah oui. C'est dégueulasse le plastique. Après, j'ai Jiffy. Ça y est, on a fini Cash Price. Chez Jiffy, on a pris ça. Ah. Bah, elle va voir la vidéo, elle va le savoir. Voilà, avec ses petites tasses licorne. Elle est vraiment pointue, la licorne, hein, quand même. Donc, 3€ la petite tasse, il y avait la licorne et l'autre, c'était quoi? Café, gaffe, qu'elle se plante pas dans le pif. Ouais. Si c'est du côté où tu vas le boire. Non, quand tu bois ton café comme ça, regarde. Là, tu l'as. Direct dans la... C'est dangereux. Faites gaffe, hein. Ils auraient pu mettre au moins dans l'autre sens. Hein. T'es comme... Mais non, mais tu es dans l'autre sens. Bon, tu bah, ce sera pour les gauchers. Hein. Voilà. C'est plus. Faites attention, un conseil. Donc voilà, fini. Donc 3€ la tasse licorne et les autres, je ne sais plus ce que c'était. C'est allez, attention, hein, c'est dangereux. À consommer avec modération et interdit. De quoi l'alcool? Ah, le tabac. Donc là, c'est bon, c'est pas du tabac, c'est des tubes. Jiffy Cash Price, ouais, j'étais en train de chercher le nom. Donc là, ça c'est Jiffy celui-là. 2,99€. Vous en avez que 400 à l'intérieur. Chez Jiffy, ouais, c'est 1000 tubes pour. Non, c'est Cash Price. Cash Price, pardon. Pour 4,19€, je crois. 4,19€, vous avez 1000 tubes. Ça vaut le coup, hein. Quand on est avec Lydie, j'ai fait merde, j'ai envie de prendre 1000 tubes. Tu les prends ou pas? Je verrai la prochaine fois, il y a 400 tubes pour le moment. Donc, vous achetez du tabac, pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas besoin de vous dire la suite, je vous débrouille. Hein. Et vous faites vos clopes. Voilà. Moi, je fais mes clopes, hein, parce que tu les achètes en vrac, ça coûte trop cher. J'ai pas la bourse à Rothschild. Chez Jiffy, il y a ça. Et donc, chez Jiffy, elle est en route. Hein. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est ça. Voilà, une petite fausse cheminée, je précise. Entre 1000 et 1200 watts, il y a une ventilation air pulsée par le dessous. 1000 et 2000 watts, pardon. Donc, ça fait les deux. Il y a trois LED à l'intérieur qui sont intégrées. Donc, ça fait une fausse cheminée. Je vais vous montrer après 2 secondes. Hein. C'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on a appris. En fait, c'est un radiateur. C'est un radiateur ou vous pouvez le mettre jusqu'en en déco. Parce que les flammes, la fausse cheminée, vous pouvez la laisser allumer, ça ne fait rien du tout. Voilà. Ça consomme juste l'électricité d'une lampe. Tiens. Je vous déconnecte là et je vous montre. Vas-y. Ah, c'est peur de faire sauter. Donc nous, on l'a mis dans la fausse cheminée. Voilà. Regardez. Parce qu'on en a marre avec Sissi qui arrête pas d'aller là-dedans, me foutre tous les trucs en l'air, j'en ai plein le cul, j'ai dit il faut qu'on achète. C'est chiant de trouver le sens en fait, donc voilà. C'est pas mal, c'est joli. C'est joli, hein. Hop, je vous remets à votre place, vers le bas. C'est pas le faire, il faut faire d'abord le haut et le bas. Ah, pardon. Ah, oh, d'accord. Et là, pour remonter maintenant. Wouhou! J'aurais dû mettre pause. Celle-là, vous allez avoir mal de mer. On se donc voilà. C'est moi, quoi. Ah, je suis pas aidé. Hein. Pourquoi tu t'es marié avec ce truc-là? Je sais pas. Aïe! Je il m'a fait mal, là. Et alors? Tape-le, ils vont te dire. Comme tu m'as fait, là. Tu m'as décollé l'oreille gauche.
Hors caméra, t'es morte. Hors caméra, t'es morte. Oui, il a des histoires. Alors, on a pris ça. C'est des sortes de petites pochettes où tu peux mettre plein d'outils. Pourquoi tu fais autant de trucs? Parce que t'es bon. Outils? Oui, c'est des outils. Donc, c'est une sorte de pochette avec des zips. Je sais pas si elle est plastifiée ou... Si, c'est plastifié. C'est du plastique. Donc, c'était 1,90€, 8, au lieu de 3,95€. Alors, plastique. J'avais dit, hein. Ouais, c'est des pochettes, ouais, bah ouais, comme on trouve dans les vidéos, tu sais, pour mettre les trucs, des fois, les fins. Des zips avant, ça va pas mal. Ouais. C'est pas mal, ça. Pour mettre des documents, vous voulez emmener, que ça reste au sec ou autre, ouais. C'est toujours... C'est étanche. Ça dépanne, ouais. Pratique. Ouais, ils disent de mettre des outils, dedans. Ouais, si tu veux mettre des outils, mais bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. C'est biodégradable. J'allais dire, on peut mettre une pochette de présentation devant, mais non, en fait. Parce qu'il y a le filet, tu vois. Ouais, tu peux mettre un truc dedans ou pas? Non, non, tu peux pas. Tu peux non, c'est juste la déco, ça. D'accord. Donc voilà, c'est des pochettes en plastique, toutes simples, avec un zip. Enfin, pour elle, en fait, ça va servir surtout c'est pour ces trucs de party light. Hein. C'est pas pour moi. Hein. J'ai pris ça aussi pour faire mon catalogue party light. Vous avez vu ce que c'est un lutin. Voilà. Vous savez ce que c'est un lutin, c'est ça, avec des pochettes en plastique. Non, ils vont dire non, c'est un lutin qu'on trouve dans les jardins. Non, ça s'appelle un lutin. Moi, j'appelle ça un lutin pour les jardins. Du coup, il est rose, comme ça, il y avait des oranges, machin. Et du coup, j'ai dit, je vais en prendre en rose. Comme ça, je pourrais mettre mon catalogue party light dedans et l'emmener avec moi partout. Ou l'emmener chez mes clients, surtout ça. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit. Non, j'en prends un, je t'ai dit, prends-en deux, c'est bon. Je fais de l'impression, mais je les laisse chez les clientes et je préférais laisser la pochette et la récupérer après, tu vois. Non, parce que s'ils veulent faire le tour pour deux à faire au lieu d'en faire. Pour les amis, après, comme ça, ils peuvent montrer à leurs amis et faire des. Tu mets tout, mais pas de mettre. Ah, il y aura les grandes commandes et tout ce qu'il faut dedans. Et emmener au boulot, je pourrais l'emmener aussi. Ça, ce sera propre. Non, mais tu l'oublies pas. Ah, bah non, je l'oublie pas. C'est le boulot. Après, on a pris aussi des étiquettes pour les cadeaux de Noël. Bah ouais, on va commencer petit à petit. Donc 2 euros quand même, les étiquettes, je trouve c'est super cher. Chez Jiffy, ouais, elles sont autocollantes. J'aurais préféré que, je sais pas, 2 paquets dedans parce que je suppose qu'il y a une planche. Tu regardes combien il y a qu'une planche en plus. Regarde, on voit bien à travers. Ah ouais. Il y a qu'une planche, donc je trouve ça super cher pour 2 euros. Mais bon, ça dépanne, c'est bien pour mettre sur les cadeaux à qui. Mmh. Voilà. Mmh. À Nose maintenant. Donc Nose. Jiffy, quoi Nose toi? Ça, ça c'est Nose aussi, de toute façon. Tout le reste c'est Nose. Tout le reste c'est Nose et l'autre ce sera après Action. Ça aussi c'était Nose. Hein. Voilà. Madame, elle s'est pris du Cara, donc ça c'est du Cara. C'est du lait de coco, oui. C'est du lait de coco. Cara, et ouais. C'est du bio. On ne polémique pas sur le bio, ça sert strictement à rien parce que sinon je vais avoir gagné en avance. Hein. Je préfère vous le dire d'avance. Oui, je suis entêté. C'est fait pour. C'est pour faire quoi en fait? Les yaourts, ah, les yaourts, coco ou autre. Donc voilà, donc les yaourts, le coco. Cookéo aussi, il y a des. Il n'y a pas pour ton truc quoi, aussi que tu bouffes avec tes céréales? Ça marche pas? Non, c'est pas trop épais. Le lait coco, non. Non, pas bon. Non, c'est bon pour faire des gâteaux, des yaourts ou. Pour des yaourts ou des gâteaux. Des pâtes au coco. Enfin, donc là, c'est du lait de coco. Et là, vous avez la crème de coco. Ouais, surtout la crème de coco, on n'en trouve pas souvent. Voilà. Donc j'en ai pris. On paraît que les gens vont dire, là, chez Carrefour, il y en a plein partout. Ah ouais, mais nous, on n'a pas de Carrefour ici. Et on n'a pas de Carrefour. Il faut faire 1 heure de route pour trouver Carrefour, donc ça fait un peu loin des fois. On a juste Leclerc et Intermarché. Et puis Carrefour, c'est cher. Et Diagonale, bien sûr, mais c'est tout. Carrefour, sont chers. Ouais, il y a un Costco qui va ouvrir à Ponto-Combo. Ah, ça restera encore plus cher, oublie pas. Hein. Ouais, mais on s'en fout. On a... Tu vas là-bas, c'est 400 balles, mais t'as pas ton cabinet archi plein. Hein. Oh, mais on n'a pas payé 400. Non, on a payé 150 balles. 150 balles. On a payé 200 et quelques la dernière fois. La première fois qu'on était, on a dépensé. En plus, parce qu'on a pris un peu plus. Oui, on a pris le gasoil, parce qu'on avait pas le choix. Oui, il était moins cher. Mais voilà, c'est du gros aussi, hein. C'est des grosses barquettes. Oui. C'est pas des. Trucs, Costco, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un magasin américain, en somme. Mais c'est de la vente en gros, ça fait une imitation métro, pour ceux qui connaissent. Là, au particulier. Et ce qui est bien, en fait, dans ce magasin-là, quand vous avez des anniversaires, où vous avez vraiment beaucoup d'invités et autres, vous pouvez faire des achats donc, en gros, et pas être emmerdé. Donc la carte, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis d'avance, elle est annuelle, c'est 36 euros à l'abonnement. Donc voilà. Et après, renouveler. Ah mais là, je vais le coincer, je t'ai dit. Enfin, j'appelle Costco pour savoir s'ils peuvent me déverrouiller ma carte. Pas le choix. Donc, oui, je suis déjà abonné à Costco. Oui, parce qu'on a été 2 fois déjà. Vous pouvez demander 2 cartes. Ça, c'est sûr. Quand il faut que les gens soient avec vous, quoi. Vous demandez les cartes pour les autres personnes. Pour les mariés et femmes, je précise. Ouais. Mais qu'est-ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas prêter votre carte, par contre. Voilà, vous ne pouvez pas prêter votre carte à vos amis parce qu'ils vont vous demander la pièce d'identité. Non, il y a votre photo. Il y a la photo sur la carte de Costco.
Je l'ai pas sur mon là. C'est pas mal. Non, moi non plus, je l'ai pas. Ah bah non, elle est dans mon téléphone. Dans mon téléphone. Bah oui, tu l'as là. Ah voilà. Donc 36 euros à l'année, par personne. Et c'est ce que je vous disais, il y a ma tranche, oui. Voilà. Voilà. C'est bien, on a vu ton nom de famille, un passage. Parti. C'est con. Une jeune fille, c'est pas grave. Ah, j'irai pas loin. Non, non, t'es, maintenant, t'es une vieille jeune fille. Ah, oups. L'Arizona, donc ça, c'est des canettes. Il y avait 6, donc 3,12 € les 6. Je pense que ça vaut le coup quand même. J'ai pas regardé au magasin combien ça coûte ça. Je pense, ouais, parce que Leclerc, je sais pas, c'est peut-être. Donc, on a pris celle-ci à la grenade. Elles sont très bien. Elles sont toutes bonnes. J'ai rapporté qu'il y en a à la pastèque. Green tea au thé, celle-ci et miel. Et on a aussi au thé pêche. Oui, mais là, c'est arrivé. C'est le café. Voilà, 3,12 €. 12, il y en a 6. Il y en a 6 dedans et c'est des. Et c'est combien de millilitres ? 330 millilitres. C'est 33 centilitres, je crois. Je dis pas de conneries. Ouais, pour les faux. Et ils vont dire pourquoi ils ont acheté de la pelouse toute pourrie ? Non, je vous explique, c'est des plumeaux. C'est des plumeaux. Madame adore les plumeaux. Donc ouais. Là, quand j'ai vu qu'il y avait la présentation chez nous. Bon, ils ont l'air défraîchis, mais ça repousse. On va les mettre dehors et le brouillard, ça va les mouiller un peu. Parce que chez nous, c'est bien, ils ont plein de plantes, mais elles sont sèches. Tu vas chez Aldi, des fois, c'est pas mieux. Hein. À nos à Romilly, il y a des citronniers. Ouais, pour ceux que ça intéresse. Un citronnier. Pour faire des mojitos. Cool. Non, mais c'est bien, ça perd jamais leurs feuilles, normalement. Ils ont plus de feuilles. C'est pas bon, ça. Bah, moi, mon citronnier, en hiver, il perd pas ses feuilles. Ah ouais. J'ai même à replanter, je sais même pas si. Ouais, je sais pas. Et les mettre quand même à moins 50%, tu feras mieux les mettre gratuit. Ouais, je pense, ouais. Ou les mettre à la poubelle. Ouais. Donc ça coûte 2 euros, je préfère préciser. J'ai pas la photo. C'est dommage. Des plumeaux, vous voyez comme dans. Des petits plumeaux, comme ouais, vous voyez, quand vous allez en ville, ouais. Dans les gros centres-villes. Et les jardiniers, en fait, ils plantent ça à droite à gauche dans les pots de fleurs, dans les gros pots de fleurs en pierre, pardon. J'ai du mal, je cafouille. Et c'est des petits plumeaux, donc les petits plumeaux en haut, c'est des petits plumeaux blancs en haut. Ils sont vachement bons ceux-là. Et comme madame adore les plumeaux, bah, j'ai dit, bah, tu veux qu'on en prenne ? Ah, ben bah, je sais pas, t'as vu la gueule des trucs. On va essayer, on verra bien s'ils reprennent, tant mieux. Après, il y a les racines, ça ne meurt pas comme ça, quand même. Donc, ça, en général, il faut les laisser confiner parce que ça pousse vite à droite, à gauche. Hein. Voilà, je préfère vous le dire, il faut que ça reste. Ça fait comme l'herbe de pampa, ça grandit. Ouais. Et ça, bah, par contre, ça va faire des tout petits plumeaux, ça va pas vous faire des herbes de pampa comme on a derrière. Voilà, c'est pas pareil, donc méfiez-vous. Donc, ça coûte 2 euros le pot, je préfère préciser. Ça, ça aime bien les terres un peu sèches, humides. Donc, du coup, comme nous, il y a plein de caillasses, c'est très bien. Donc, du coup, j'en ai pris deux pour madame. Donc, elle aura deux plumeaux, elle verra ça, où elle va les mettre. Bah, là-bas, avec les chiennes qui font caca autour, ça va du fumier. Super. C'est bien, on fait ménage. Ouais, regarde ça, il y a de la terre partout. Donc, pour préciser encore, je continue. Moi, j'en ai pris c'est quoi le petit café ? Et là, là. Ah, dégage. Crème de coco, donc on en a repris un autre. Lait de coco, on en a repris un autre. Toujours pareil. Crème de coco, ah, j'en ai pris parce que... Toujours pareil. L'autre fois, j'ai fait des yaourts à la crème de coco et j'ai pris du lait. Alors... Alexis s'est acheté son propre jouet. Non, c'est celui chez Action qu'il a pris. Ouais. Il a eu des sous avec ses dents perdues. Ah, c'est Action, la souris est passée. Il est où ? Il est là-bas. Ah bon, bah ça c'est nous. Ça c'est nous. Donc ça c'est nous. Nous lui avons acheté, pardonnez-moi. Donc ça 7,99 €, donc 8 balles, je préfère vous le dire. Vous savez très bien qu'il adore les Lego. C'est pas la vraie marque Lego, je vous le confirme. Mais il aime bien. Donc, peut-être un peu moins, Étienne, peut-être. Comme il avait plus de sous, bah, je me suis dit, bon, laisse tomber, on va lui acheter, comme ça sera fait. On sait que ça l'occupe pendant au moins 2 heures, on a la paix. Hein. On n'est pas obligé de le mettre dans un sac là-bas. Voilà. J'ai regardé ta... Merci, Piotr. Je ne sais pas si tu vas voir la vidéo, mais merci. Hein. Oui, alors, comment elle est venue, l'histoire ? Je ne m'en rappelle plus non plus. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, oui, quand même, même s'il est dans son sac à vendre, on lui achète ça, quand même, ça l'occupe un peu. Non, plaisante. Je plaisante, bien sûr. Mais avec, des fois... Non, c'est de la plaisanterie, je vous le dis tout de suite. Donc, du coup, 8 euros, ça, et puis vous avez quand même pas mal de trucs. 3 en 1. Donc, vous pouvez choisir le modèle qu'il y a normalement. Oui, c'est pas le même. Ouais. Si, c'est le même. Non, je sais pas. Non, ça doit être les autres modèles qu'il doit avoir. Parce que regarde, c'est pas le même. Je sais pas ce qu'il y a comme modèle dedans. Si, normalement, c'est celui-là.
Logiquement, normalement, c'est celui-ci. C'est le dragon, c'est le T-Rex. La famille T-Rex. Elle est comme ça quand elle est en colère, hein. La même tronche. Tout rouge. Bon, faut l'emboîter, bien sûr, à droite à gauche. Ah bon. Voilà, avant qu'il fasse grogne. Encore, en général, j'évite de mettre le mode vocal, comme ça, moi, j'ai la paix. Et donc, voilà, vous avez plusieurs modèles, c'est à vous d'acheter bah, les boîtes qui correspondent. Vous n'êtes pas sûr de trouver tous les modèles, je vous le dis d'avance, hein. Donc, méfiez-vous. Donc, ça, c'est de la marque Paisy. Bonne nuit. Et puis voilà, ouais, c'est tout. Il fait froid dehors, il y a des brouillards, il caille. Ensuite, parce que madame, je crois qu'elle a plus rien dans les mains. Ouais. On a repris des petites boîtes pour Alexis encore. Donc, ça, c'est 2,99€. C'est soit ça ou soit ça, mais je crois que ce sera plus celui-là. Ah non, tu choisis le modèle que tu veux là. Mais je crois que c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Là. C'est celui-là. Tu as pris le même. Et puis derrière, là, vous pouvez faire ça. Alexis a déjà celui-ci là. Celui-là, je sais pas s'il l'a celui-là. Pas fait gaffe. Je sais pas. Les hélicos, les petits avions, je sais pas lequel. Et là, t'as pris le même. Ah merde. Mais bah, il verra s'il peut pas monter autre chose. Hein. Il se débrouillera. Il verra. Donc, du coup, il y a la deux, c'est la même chose. Ils sont pas mal, hein, ils sont pas chers. Donc, c'est 2,99€ pièce. Hein. Et puis, le boss, ça peut l'occuper. De toute façon, pas donner ça au bébé, je vous le dis, je vous le redis. Donc, méfiez-vous. C'est les petites pièces quand même qui les avalent pas. Merde, je suis en train de chercher le nombre de pièces qu'il y avait à l'intérieur. 104 pièces. Ah merci, 104 pièces à l'intérieur. Et quand je vous dis, vous faites attention, franchement, c'est des petites pièces. Vous avez le mode d'emploi à l'intérieur et les petites pièces qui sont dedans. Vous voyez ? Bah, c'est de l'écran. Il y a vraiment des micro pièces. Hein. La petite tête, là, vous avez qu'à voir. Les petits trucs bleus transparents, c'est pour les spots. C'est vraiment petit, donc méfiez-vous, on ne va pas donner ça à vos gamins. C'est comme des Lego, vous avez la notice et tout aussi. Voilà, vous avez la notice, hein, vous avez ce qu'il faut. Attention, hein. Même Lego, maintenant, c'est toutes les notices sur Internet. Ouais, méfiez-vous. Maintenant, on ne peut plus les faire en papier, donc. Pour ceux qui veulent acheter Mario Bros, le truc électronique, là, vous savez, en Lego, là, pareil. Parce que madame, elle a acheté, on s'est fait avoir. Il faut que tu télécharges l'application. Elle est sur l'Internet. L'application plus la notice, sinon tu ne peux pas. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis d'avance. Et après, vous pouvez, si vous avez une tablette pour vos gamins, vous les chargez, vous mettez ça dessus. Ouais, c'est vrai. Mais nous, on n'avait pas ça. Ah. Oui, puis non, pour Alexis, une tablette, c'est bon, il va assez sur nos PC et sur ceux de sa sœur. Ouais, ils sont doués, les gamins, avec ça. Donc voilà, nos Clash Price et Jiffy, c'est Fifi Nini. Voilà, maintenant, on va faire l'autre vidéo de Action. Donc, on vous reprend tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Eh, j'ai oublié. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, n'oubliez pas surtout. Ah bah, le plus important. Allez, on y va, ça monte petit à petit. Ça monte pas beaucoup, hein, 8026. Non, 50. Ils sont... Ah si, ça a repris là. Oui, 50. Il n'y a pas assez. 50. Encore, piquez les téléphones. Piquez les téléphones. Même pas un mois et demi à peu près. Ouais, on avait dit qu'on aimerait bien avoir les 10 000 pour Noël. Ce sera un beau joyeux Noël pour nous et pour vous aussi, on sera plus nombreux. On fait encore plus... c'est pas faux, ça. Bon, allez, sur ce, on vous fait de gros bisous. À tout à l'heure.